Pouvez nous parler de votre blessure tout à l'heure. Ça va bien? Bon, la blessure c'est pas aussi grave que ça. C'est voilà, j'avais ressenti ça après le match contre CSS. Donc je pense que j'ai eu à discuter avec le docteur. Il m'a dit c'est la fatigue qui fait ça, donc de beaucoup me reposer. Voilà, il m'a donné un traitement à suivre. Donc voilà, mais aujourd'hui j'ai encore senti ça un peu, donc j'ai pas voulu prendre de risques, donc j'ai décidé de sortir quoi. Une première convocation avec l'équipe nationale tunisienne, votre avis, vous pouvez être que très content? Ouais, ça, comme je le disais, ça fait vraiment plaisir, tu vois. Et quand tu penses que voilà, t'as ton pays d'origine qui est là et tu essaies de donner le meilleur de toi-même, tu essaies de travailler pour être appelé un jour et qu'on ne t'appelle pas. Et voilà. Et quand tu penses que tu es dans un autre pays pour donner le meilleur de toi-même pour que ton pays t'appelle, et c'est ce pays qui t'appelle, qui veut que tu lui rends un service. Donc voilà, c'est touchant, comme je le disais, c'est touchant, c'est un honneur pour moi. Donc voilà, maintenant c'est à moi de travailler et leur remettre cet honneur pour leur montrer que je mérite d'être là, quoi. La fédération du Côte d'Ivoire vous a contacté concernant ce sujet? Non, personne ne m'a contacté. Moi, auparavant, il y a des gens qui me parlaient que non, ils vont t'appeler. Donc voilà. Mais c'est juste des paroles, tu vois. Donc moi, j'ai eu la chance que l'équipe nationale m'appelle. Donc pourquoi pas en profiter, quoi. Donc voilà. J'ai une Coupe du Monde, ça se fait pas toujours. Voilà, la Coupe du Monde, c'est encore loin. Maintenant, le plus important, c'est moi de travailler, de montrer à tout le monde que je mérite d'être là. Et voilà, quoi. Est-ce qu'il y a déjà des échos de la Côte d'Ivoire par rapport à votre neutralisation? Oui, il y a eu des échos parce que je pense que j'ai ma femme aussi qui m'a aussi parlé de ça, que ça, voilà, ça parle beaucoup au pays, que voilà, les gens se plaignent. Mais bon, voilà, moi, le plus important, c'est moi, je décide. Donc si j'ai décidé de jouer avec l'équipe nationale de la Tunisie, c'est que j'ai beaucoup réfléchi à ça et j'ai trouvé que c'était quelque chose de bien pour moi. Donc voilà. Même en Tunisie, ça fait polémique. Comment vous pensez ça? Bon, si ça fait polémique, moi, c'est seulement dit, comme je dis toujours, moi, je ne m'intéresse pas trop à ce qui se passe hors du terrain. Moi, le plus important pour moi, c'est de performer sur le terrain. Maintenant, après, dehors, ça, c'est tout à fait normal dans la vie. Tu ne peux pas être accepté par tout le monde.